Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les tendances 2017 pour le printemps et l'été. Donc dans cette vidéo, je vous ai regroupé plusieurs catégories concernant les tendances de cette saison et je vais vous présenter aussi des vêtements, des accessoires coup de cœur que j'ai eu et que je vous présente sous forme de wishlist. Je vous ai fait plusieurs catégories comme les vestes de saison, les robes, les accessoires, les bijoux, les chaussures, mais je vais commencer par une catégorie pour rajouter un petit peu ma patte à cette vidéo et ça va être les coiffures et les cheveux. Pour les coiffures aussi, il y a des tendances, que ce soit sur les podiums, chez les stars ou alors dans la rue tout simplement. Il y a des coiffures qu'on aime bien, autant pour le printemps que l'été ou alors l'automne et l'hiver. Donc, je vous présente tout ça. Il y a une tendance capillaire que vous avez certainement pas loupée parce qu'on en parle de partout, que ce soit sur Instagram, YouTube, Internet en général. C'est le bleached hair, donc du coup, vous n'avez pas dû le louper, c'est certain, parce que c'est tout ce qui est décoloration blanc platine, rose, bleu, toutes les couleurs comme ça qu'on retrouve un peu sur les cheveux en ce moment. Ben c'est une des tendances en fait du printemps-été d'avoir les cheveux vraiment décolorés ou taqués. Beaucoup de monde ont sauté le pas ou alors d'autres portent des perruques, mais en tout cas c'est la tendance du moment. D'ailleurs si toi aussi t'as sauté le pas, ben n'hésite pas à me dire dans les commentaires. La queue de cheval c'est l'une des coiffures les plus simples à faire, mais du coup elle est hyper tendance pour eux par exemple ce printemps et cet été. Elle est beaucoup portée sur les podiums aussi et du coup c'est une coiffure vraiment tendance qui se porte très basse au niveau de la nuque. Vous pouvez aussi la porter haute, mais la tendance, c'est de la porter basse. Bien sûr, ce qu'on a toujours en été, bah, c'est les boucles. Même plus besoin d'en parler, en fait, les boucles naturelles sont vraiment de la partie en été. C'est vraiment très estival, ça fait un côté bohème, un côté naturel, comme si vous sortiez en fait de la plage. D'ailleurs, je vous mets une vidéo que j'avais faite sur des boucles naturelles que vous faites en fait tout simplement avec du papier WC. Je sais, c'est pas glamour, mais en tout cas, ça marche. Ou alors, dès que vous sortez de la douche, que vous êtes lavé les cheveux, essayez de laisser sécher vos cheveux tout seul, à l'air libre, avec un spray au sel, tout simplement pour les gainer et pour leur apporter un style un peu beach wave. Vous savez, un effet plage en fait, tout simplement. Quand je veux avoir cet effet, d'ailleurs, j'utilise un spray de Bumble and Bumble. C'est le surf spray et ça permet justement, bah, il est au sel, et ça permet de gainer les cheveux et justement d'avoir cet effet-là. Pour un effet estival et pour les festivals d'été, tout ça, n'hésitez pas à mettre plein de tresses dans vos cheveux. Ça fait toujours un look justement frais et puis de saison, tout simplement, pour le printemps et l'été. Donc rajoutez aussi des petits bijoux dans vos cheveux, c'est hyper mignon. D'ailleurs, je vous avais fait dans ma dernière vidéo 7 coiffures pour toute la semaine où je vous montrais bah, des coiffures avec des tresses principalement. Et il y a des bijoux aussi que j'ai rajoutés dans la vidéo. Bon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je passe maintenant aux tendances robes. Et en ce qui concerne déjà les couleurs, cette année, printemps-été, on est sur des couleurs acidulées ou pastels. Donc en ce qui concerne les couleurs acidulées, on est plus sur du rose et du jaune. Que ce soit vraiment des couleurs flashy ou alors des couleurs pastel. Et grande nouveauté cette année, on est maintenant sur du métallique, que ce soit sur nos ongles, sur nos chaussures, sur nos vêtements. Donc préparez-vous à avoir beaucoup de métallique. La robe en jean va faire partie des incontournables des modes robes. On va avoir aussi beaucoup d'imprimés fleuris. J'étais pas forcément fan avant de ce style de vêtements, enfin de ce style fleuri. Et finalement j'y ai pris goût parce que ça apporte un petit côté frais et un petit côté bohème. L'un des grands classiques reste la robe blanche. On peut la porter très facilement dès qu'on commence à avoir un petit teint hâlé. C'est super joli. Et puis en plus on peut l'accessoiriser avec des accessoires de couleur. Si on n'aime pas forcément les porter en vêtements, on peut mettre là le rose et le jaune dans les accessoires, que ce soit les chaussures ou alors le sac à main ou d'autres accessoires comme des bijoux par exemple. Je passe d'ailleurs au sac et pour les sacs, forcément, au printemps-été, on ne quitte pas nos indispensables qui sont les sacs cabas ou alors les sacs de plage. Parce que c'est vrai que nos petits paniers de plage sont hyper mignons, sont de plus en plus tendance et aussi accessoirisés. Parce qu'ils essaient toujours de faire de jolis trucs, de jolis motifs sur les sacs. Donc ça reste l'un des indispensables modes au niveau des sacs. Pour la saison, vous avez aussi les sacs cabas, les pochettes ou alors les maxi-sacs qui restent des indispensables modes. Côté bijoux, ce sont les pierres minérales qui sont mis à l'honneur. On les voit beaucoup sur les podiums comme Stella McCartney ou alors Givenchy. D'ailleurs, j'ai toujours eu un coup de cœur pour les pierres en été. Je sais que ça travaille beaucoup sur l'énergie, tout ça. Donc j'aime bien. On voit beaucoup de hair cuff aussi. C'est les bijoux d'oreille que vous mettez sur le coin de l'oreille sans forcément être percé. Et on voit aussi tout ce qui est mono boucle d'oreille. Donc du coup, vous portez une grosse boucle d'oreille que d'un côté et de l'autre côté, vous avez rien. Côté chaussures, on a toujours nos fameuses espadrilles. Mais qui vont être un petit peu restylisées, un petit peu modernisées avec des lacets ou alors elles seront un petit peu plus ajourées. Donc du coup les espadrilles malgré tout restent dans la course. Pour les couleurs on va vraiment jouer sur tout ce qui est métal, donc or, argent, cuir. Et c'est des couleurs qui s'associent très bien avec les vêtements et aussi qui s'associent vraiment très bien quand on est bronzé. Ça fait ressortir à fond le bronzage et en plus c'est hyper frais, ben, pour la saison d'été.
Que ce soit au printemps ou en été, on a toujours besoin d'une veste, donc c'est vrai qu'il y a aussi une tendance veste pour la collection printemps-été, parce que le printemps, ben, on est entre les deux, un coup il fait froid le matin, un coup il fait chaud l'après-midi, on sait pas trop comment s'habiller, et l'été, même s'il fait chaud qu'on n'en peut plus, des fois le soir il peut faire frais. L'une des vestes incontournables, c'est le trench, mais j'ai trouvé une alternative. Je sais pas si vous avez vu mon dernier lookbook, mais dans ce lookbook justement à Venise, je portais une veste très longue noire que j'ai achetée chez Missguided, et du coup cette veste, elle est vraiment formidable parce qu'elle se porte vraiment en mi-saison et elle tient pas chaud même si on a la journée qui commence à avoir des températures un petit peu plus chaudes. Je pense aussi que le Perfecto, c'est l'une des pièces à avoir dans son placard. C'est l'un des incontournables qu'on doit avoir au printemps et qu'on peut porter aussi autant en hiver qu'en automne et puis les soirs d'été. Va se marier aussi bien avec une robe pour aller en soirée ou alors avec un jean, une tenue décontractée pour la journée. Le Bombers, il reste dans nos placards, on continue à le porter pour cette saison. Les vestes en jean aussi sont dans la tendance 2017. Et aussi vous avez tout ce qui est blazer, vu qu'on est dans des couleurs un petit peu acidulées, c'est bien d'avoir des petits blazers de couleurs, donc que ce soit jaune, rose, ça met une petite touche de peps à votre tenue. La pièce mode indispensable de l'été, c'est le maillot de bain. Et sans maillot de bain à la plage, on est à poil. Donc cette année pour les maillots de bain, on est dans tout ce qui est côté ethnique ou alors tropical, et j'ai eu un coup de cœur pour un maillot de bain, c'est un Banana Moon, il est en forme triangle, il est juste magnifique, donc dites-moi ce que vous en pensez vous aussi dans les commentaires. Le maillot de bain une pièce, encore une fois il est tendance, c'est vrai que moi je vais pas encore oser parce que j'ai pas envie de bronzer avec mon maillot de bain et avoir des sales traces sur le corps, mais je préfère tout ce qui est triangle, tout ça. Mais j'avoue qu'il y a des maillots de bain, une pièce, qui sont hyper canons et des fois je me laisserai bien tenter. Donc voilà pour ces tendances printemps-été 2017. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour que je le sache. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Si vous voulez retrouver un produit que j'ai présenté dans ma wishlist avec les produits coup de cœur, bah, vous avez tout en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin, bah, poser des questions dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.